C'est déjà parti. Salut les loulous. Bonsoir, je suis de retour. Oui, Lucie aussi d'ailleurs. Il est de retour et oui, moi aussi. Lulu, on est tous de retour les enfants. Il y avait que deux guignols la semaine dernière. Ouais, Florentin et Lucien qui ce soir sont en régie, on sait pas pourquoi. Florentin et Julien. Florentin et Julien, oh là là. Oui. Non mais, faut dormir Martin la nuit. Ah, là. Bon, on a pas mal de choses ce soir. On a, on a 21 informations. Tu sais 22, non, 21. Ouais, bon, bref, il y a 22 choses. Il y a 22 choses. On va commencer. Allez, commence, mon petit Martin. On va commencer par la première, c'est la foire à la périculture. Voilà. C'est le périculture. Pardon. Exactement. Par l'association Les Premiers Pas. Vous savez, c'est les petits enfants qui font leurs petits premiers pas. C'est sympa. Non, pas tout de suite. Hein, tu veux des enfants, Martin? Non, merci. Non, allez. Donc, alors, pour s'inscrire, ce sera à partir de demain. Alors, non, allez pas trop vite, les enfants. Oui. J'ai pas fini la première information. Oh, hein. Allez, pour s'inscrire, venez demain, parce que, ouais, c'est demain, le 1er octobre. Demain. Ouais, de 10h. Oui, c'est vrai qu'on passe de septembre à octobre. Bah, ouais. Ouais. De 10h à midi. Ouais, et ben c'est, en fait, c'est le but. Quand t'es le 30, tu passes le 1. Non, après, t'as 31 normalement. Bah, non. Mais ça dépend des mois. En octobre, il y a le 31, je crois. Oh, oui, raconte, je crois que je raconte des cracks. Non. Ouais, bon, si, bref. Ouais, bon, ouais, on va finir l'information. Hein, c'est 10h midi. Gens... Et, par contre, il faut vraiment avoir des sous parce que c'est 10 euros la table d'un mec 80. Hein. Bon, après, si vous avez beaucoup de choses à vendre, pensez à ramener des sous. 1m80, il y a de quoi en mettre. Hein. Bah, je crois que ça fait ma taille. Ça fait ma taille. Ça fait ma taille. Toi, tu fais 1m90. Ouais. Enfin, 80. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Si vous inscrivez demain, et donc, ben, vous y allez la semaine prochaine à la salle Gérard Philippe. Pour exemple, ça veut dire qu'on peut mettre. Sur tout ça, on peut mettre un Lucien. Comme voilà. Ça, on peut mettre des vêtements. Votre table fait un Lucien. Tout le long. Voilà. La table, voilà. Votre table fait un Lucien. Pourquoi? Ah, regardez, faites coucou, j'ai ouais. Ah, oh là, je non, recasse pas le décor, s'il te plaît. Hein, ça ferait plaisir. Deuxième information. Allez, je la fais, la deuxième Allez. Information. Alors. Oh, ils nous ont spoilé. Ils ont devancé. Ils ont devancé. Il y a l'autre micro allumé, c'est ça? Non. Bon, enfin bref. L'autre micro est. Ok, alors oui, bah. C'est écrit en face. Ce que c'est. Inauguration d'une exposition Art dans la rue. Avec aussi l'ère de jeu. Le nouvel ère de jeu. Tu me laisses pas le temps de finir de lire, Martin. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Donc, à l'ère de jeu du carré de biodiversité. Carré de biodiversité où il se passe pas mal de choses. Hein, oui, il a fait pas mal d'informations. Tu likes notre propre vidéo? Oui. C'est. D'accord. Nickel. Donc le samedi 8 octobre à 16h, comme on l'a dit, au carré biodiversité, c'est où, on le rappelle? C'est en face de la caisse d'épargne sur l'avenue. Exactement. Voilà, si gauche. Vous voulez, il y avait un numéro de téléphone si vous voulez appeler. Il y a des petite, infos. Y a une petite mare, tout ça. Il y a un petit téléphone. C'est sympathique. Tu veux faire la troisième? Non, je... Ah! Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il y a un jeu. Oula, il y a une bâche déjà, il y a une bâche. Non, il n'est pas allumé. Alors, attends, bah... Alors attendez, on est une Bosch. On est une sainte Bosch. Je te l'allume. Like a Bosch. Un, deux, ouais. C'est bon. Ah, ok. Alors regardez, vous avez Florentin. Voilà, fais coucou Florentin. Allume le micro, Flo. Ouais. Donc, oula. Oula, un peu fort. Hier, j'ai passé mon après-midi à faire une bâche. Oui. Magnifique. Oui. Dans l'angle aussi pour protéger Martin parce qu'il a peur. Oui, par terre que, aussi pour est-ce que je peux dire pour. Et alors, si vous voulez voir la vidéo, on la partagera sur notre TikTok ou Instagram pour que vous voyez comment Florentin a galéré pour mettre les bâches. Sur Facebook. C'est très drôle à voir. Alors, Florentin, pourquoi as-tu installé des bâches? Parce qu'il y a une sélection de produits périmés. Une sélection de produits périmés. Que personne n'a vu encore. Mais c'est génial. Oula. Alors, juste petite question, qui va s'occuper des produits périmés? Alors, est-ce que c'est des produits périmés qui sont encore consommables? Arrête de poser des questions, tu as posé des problèmes, si toi. C'est périmé, en général, c'est pas trop consommable. Bah non, quoique. Oh, mais dis-moi, t'es en tenue de chantier, Julien? Oh, mais Juju, alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai pas de micro. Pourquoi? Ça, c'est pour après. Pourquoi n'as-tu pas de micro? Parce que j'en ai pas pris. Alors, parce qu'après, je vais faire des trucs sales. J'explique. Tu vas faire du sale comme Lorenzo. Il y a 11 papiers qui correspondent à un produit chacun. Attends. Ah, vous voyez plus, attention, c'est normal parce que je suis à côté. On va t'en tirer un. Ok. Je regarde. J'ai tiré le J comme Julien. Ok. Wow, moi je vais m'écarter les loulous. J. Ouais, un J.
Du coup, faut en enlever un parce que de base c'était un jeu pour deux. C'est hein? Ok, c'est un joker. Okay. Sauf que vu qu'il est tout seul maintenant. Je tire un deuxième. Ah, il en tire un deuxième. Si tu as encore le joker, j'ai le seum. Non, je tire un 1. Un 1 1. Très bon choix le 1. Comment ça se dit en. Julien, comment ça se dit en espagnol? Oui. Alors, Julien, comment ça se dit en espagnol 1? Uno. Bien. Je crois. Oui, je crois aussi. Parce que j'ai su le numéro uno. Uno. Et je peux pas les lunettes? Attends. Attends. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà, et maintenant faut mettre les lunettes, je crois. Faut les mettre. Ok, ah, je les mets. Okay. Oui, non, mais tu vas faire quoi, Flo? T'inquiète pas. Alors. D'accord. Non, mais il n'y a pas une question. Non. Si, une question. Ah. Une question, si je réponds bon, j'ai bon. C'est énorme. J'avais oublié la question. Florentin, oublié la question. Je sors. Alors attendez, je vous montre moi de l'autre côté ce que c'est. Désolé, Julien, faut pas j'avais oublié la question, je sors les questions voilà, tout voilà de suite. Voilà ce que c'est. Je crois qu'on voit pas Martin. Allez, lance-toi. Ah, si, attendez, lance-toi. C'est ça. C'est pas vrai. Si, c'est préparé. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts pour la question? Ouais. Petite question. En quelle année a été créée la Web TV? Oh, moi je sais. 5, 4, 3. Attends, il y a les propositions ou pas? Non. En quelle année? 5, 4, 3. 2. 2016. Bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Il est bon. Bon. Ouais. C'est bon. Non, c'est bon, on fait l'autre info là du coup. Et autre info. Okay. Lucien, j'arrive. Oh, t'inquiète, mon petit Martin. Alors, je m'occupe de l'autre info. Attendez, je suis assis sur la feuille. Et qu'est-ce qui fait assis sur le. Ah bah, si tu veux, vas-y, viens, on fait comme ça change. Attends, du coup, je vais recadrer. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que t'es trop grand, mon petit Martin. Alors, Hop là. Comment dire? On en était à la 3. Ouais, non, c'est mal cadré, mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est bien cadré. Oui, t'inquiète, c'est l'écran. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Amical laïque de Gravini. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, donc c'est le programme de l'amical laïque de Gravini. D'accord. C'est tout. Donc, vous avez des sorties. Voilà, donc. Vous avez Peter Pan, Cabaret. Vous avez des sorties. Vous avez les horaires associés aux sorties, les prix. Le numéro de téléphone pour les contacter. Et voilà. Donc, allez vous amuser, c'est parti. Mais c'est clairement. C'est simple. Oui. Alors, je crois qu'on en fait une deuxième. Je crois qu'on en fait une deuxième. Ça va être. Les gars, oui. Julien, tu vas. Bon, alors. Voilà le planning, du coup, pour le mois d'octobre et de novembre de la mairie. Donc, vous avez, du coup, l'inauguration. Qu'on vous a parlé tout à l'heure. Vous avez également le 33e salon de la peinture et de la culture à la Maladrerie le 8 et 9 octobre. L'art dans la rue également dès le 8 octobre. La foire à la puériculture qu'on vous a parlé. Les foulées vertes qu'on vous parlera un peu plus tard. Le thé dansant. Le compte rendu du mandat du maire. Ah, ça par contre, on n'était pas au courant. La commémoration du 11 novembre. Le repas des anciens combattants. Le bal country et la foire à tout. Proposé par le SG Judo. Voilà. Mais c'est génial, c'est on de vous toute proposera, beauté. On vous dira les dates, sinon voilà, vous faites pause, vous regardez les dates, et puis voilà. C'est vrai que j'ai acheté une licorne. Une licorne? Attends, je suis plus dans le cadre. Pourquoi t'as... J'ai acheté une licorne. Pourquoi t'as acheté une licorne, toi? Parce que j'avais envie d'acheter une licorne. J'aime les licornes. Ah, nouveau jeu. Allez, nouveau jeu. Nouveau jeu. Enfin, en fait, on fait deux infos, un jeu, c'est ça? Alors. 1, 2, ouais, c'est voilà. Bon. Là, on retourne de l'autre côté. Donc, c'est parti pour relancer à nouveau le jeu. Ouais, le nouveau jeu. Attends, on va se mettre dans le cadre. Voilà, mets-toi dans attention. Le cadrage. Alors, donc là, je repioche un truc, on est d'accord? Je repioche un numéro. J'ai pioché, je sais même pas, c'est même pas bien écrit. C'est un 4, je crois. C'est un 4. Ouais, un 4. Le quattro. Attention, la faut question. Faut mettre les lunettes. Un 4 de maternelle. Faut mettre les lunettes. Je vais te demander quelque chose. Justement, c'est une question maternelle, ça. Oh. Tu as 4 juste secondes pour répondre. 4 secondes. Cite-moi les 3 couleurs primaires. 4, 3, bleu, 2, rouge, jaune. 1. Bleu, rouge, jaune. Ouais. Tu fais chier. Bon. Il a quand même bon. Regardé ses réponses sur son téléphone. Bon, hein. Il a tout bon. Ça pue, ça sent pas bon, Florentin, ton jeu, là. Eh, hey, Julien, c'est toi qui as fait Mathsup. Mathsu? Oui, c'est Juju qui a fait Mathsu. Ok. Alors, ok, vas-y, sur les deux prochaines. La baby gym de 1 à 3 ans, 3 euros.
Donc ça, on en avait déjà parlé. Il y a 3 ans par enfant et pas 3 ans l'enfant. Non, t'es 3 euros par enfant, pas 3 ans par enfant. Oui, 3 euros par enfant. Samedi 8 octobre, donc de 9h30 à 10h15. Samedi 22 octobre, de 9h30. Bon, c'est toujours la même heure en fait. Et le samedi 19 novembre, à la salle de sport, rue d'Aviron, à Gravigny. C'est la salle de danse, je crois. Sûrement. Ouais, c'est ça, c'est la salle de danse. Faut s'inscrire. Inscription obligatoire. Voilà, c'est tout. USG tennis de table, rencontre à domicile. Donc équipe première régionale 4. Donc du 9, c'est le 9 octobre à 9h contre l'AS Passy Ménil. Ménil. Ça marche. Oui, je sais pas ce que ça veut dire, 2 derrière. C'est peut-être la classe. Ouais, peut-être. Je sais pas. Bon. S Ménil. Ouais, normalement, il y a le Mi, je pense qu'il est pas normal. Mimini, c'est qui? Parce que Passy et Ménil, c'est des villes collées, mais bref. Ouais, bon, c'est pas grave. 23 octobre, le 23 octobre, à 9h, contre le CS Offray. Oui. C'est ça. Le 20 novembre, à 9h, pareil, avec le TS Bolbec. Et le 11 décembre, à 9h, avec Drucourt TT1. Nickel. Et toi, Martin, tu le complexe sportif, il faut appeler le numéro, je crois que c'est Yann. Tu fais le tennis de table. Alors, comment on appelle les gens qui font des tennis de table? Le savez-vous? Marquez-le en commentaire. Voilà, exactement. Florentin est de retour. Ouais, c'est de ça. L'autre côté. C'est un peu compliqué le jeu. J'ai modifié une question parce qu'elle était un peu trop facile du coup. Non, je vais finir par louper quand même. Ouais, c'est ça. Allez. Faut que tu loupes. Alors, je vais te demander de... Exactement. J'ai tiré le 7. Touche à rien, Martin, laisse-moi refaire. Oui, j'ai mis les lunettes 7 pour qu'on montre ce que c'est s'il se loupe. Je vais te demander à la centaine près, t'as un essai. Le nombre de vues exact de la Hope TV. En étant le linge. À 100 près. Ah là là. Attends, mais je peux voir le chiffre ou pas? Parce que même moi, je ne sais même pas combien c'est. C'est rien. En tout, sur toutes les vidéos et tout. Ouais, sur le nombre total que qui est affiché sur combien, à propos. À peu près. Sur quoi, à propos. À droite. 4600. Non, mais il y a plus que ça. C'est loupé. C'était 12700. Ah ouais, mais c'est donc sûr. Tu peux mettre les lunettes. Julien. Mais pas trop pour le premier, c'est après. Dis-que. Si tu veux, je te prends le micro sans fil. Je rappelle que la salle de bain en studio ne fonctionne pas. Du coup, vous allez m'entendre avec mon micro. La salle de bain ne fonctionne pas. Julien, tes impressions avant de savoir ce qui t'attend. Tout doux. Hein. Non mais. Il y a une petite femme technique, c'est pourri. Non. Mais non mais. On va prendre l'objet précédent qui n'a pas gagné. C'est-à-dire, c'était le numéro 4. Voilà. Mais non, c'était. Non, moi, les loulous, je vais snapper. Ça va être. Oui, non, mais non. C'est lent, de toute façon. Il triche, triche rien. Du coup, ça va aller où ça? Oui, on prend. Non, ça va dans ta bouche. Non, ça va aller dans ta bouche. Il y en a. Oui, bon, il y en a un qui aurait pu aller dans ta bouche, mais bon. Moi, je dis demain, il y en a un, il est pas frais. Il va se lever tout vert. Alors. Oh non, il avait pas mis la capuche. Ah, c'est ignoble. Oh mon Dieu. Alors, pour vous dire ce que c'était. Parce que du coup, on peut leur dire. Alors, Julien vient de littéralement se prendre trois petites boissons à boire de chez Lidl. Voilà, petit placement de produit. On continue les infos. Et je crois que c'est à moi. Alors, les infos. C'est à moi. C'est à toi? Bah oui, t'avais dit qu'on faisait deux et deux. Tiens, prends le micro sans fil. Voilà. Moi, je vais aller de l'autre côté. Non, il est éteint. Vas-y, va de l'autre côté. Comme ça, moi, je reste là. Ah, Lucien, on fait une petite mise à jour au décor. C'est sympa. Alors, Baby Jean, tennis de table. Ah oui, du 7 au 14 octobre prochain, l'association Naturellement Rueilly organise son festival du développement durable. Comme chaque année, vous pouvez regarder tout ça sur le Facebook de l'association. Je voudrais bien l'affiche, s'il te plaît, Florentin, pour avoir le programme ainsi que toutes les informations nécessaires à cette manifestation. Donc voilà, donc vous avez le cinéma pâté, Gravigny, le Val David, voilà. Tous des héros, le thème de cette année, une bande-annonce d'ailleurs de tous les films qui seront diffusés et disponibles sur le YouTube de l'association.
Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment très sympathique. Et c'est en collaboration avec l'Aglo ainsi que la MJC de Bernay. Florentin, s'il te plaît, continue les informations. Mets l'affiche avec le programme, voilà, on va vous mettre le programme pour que vous puissiez voir à peu près ce qui est proposé dans les différentes communes. Voilà, donc vous avez l'IUT, le cinéma. Alors tout ce qui est au cinéma est payant, hein, je tiens à le préciser, c'est 7 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Et après, il y a tout ce qui est sur réservation au niveau du Tangramme ou à la mairie de Gravigny. Information suivante, une jam session, on vous en parlait récemment, la jam session le 7 octobre au Petit Café de Pays, donc n'hésitez pas à venir, 19h-22h30 au Petit Café de Pays, c'est vraiment super sympa, il y a une bonne ambiance, vous pouvez venir écouter, vous avez une buvette, c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez écouter ou jouer si vous le souhaitez, et du coup voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Ok, bonjour, Florentin, c'est moi le micro. Bonjour, je suis le micro. Alors, on a... Coucou. Alors, attendez. Alors, attendez. Je viens de voir ce qui se passe. Ce que vous allez voir devant vous, c'est magnifique. Florentin, s'il te plaît, change sur le... Attention, 3, 2, 1, révélation. Bonjour, je suis le micro. Oh là. De toute beauté. Eh, on a un alors, pêcheur Julien, maintenant, dis-nous, c'est magnifique. Hein, je suis très content, j'adore le yaourt. Le 1, j'ai déjà fait. Non, le 1, tu l'as pas eu. Enfin, oui, du coup, le 1, tu l'as eu. Mais c'est le 4 que t'as pas eu. En plus, il est remis dedans. Oui, il est remis dedans, en fait, pour que j'en fasse 8. 8. Ah, le 8, il l'a pas eu encore. Sérieux ? Le 8, il l'a pas eu, le 8. 5 secondes pour répondre. Attends, quoi ? 5 secondes pour répondre. Ah, bah, pour répondre à quoi ? Prends le micro, si on t'entend pas. 5 secondes pour répondre. À quoi ? Allez, 6. Tu fais le décompte. Au final. Combien d'étoiles comporte le drapeau américain? 54. 52. Je ne connais pas la réponse. 28, nous ne connaissons pas la question. Le 8. La réponse. Enfin, Florentin la connaît, mais pas nous. Attends, c'est... Attends, je... Attends, non, mais si on voit comme ça. Vas-y, mets-toi là. Il faut une... Non, mais faut non, mais attends, il lui faut une cuillère. Non, mais c'est pas... Non, mais il envoie comme ça. Ah. À la main. Ah non. Oh là. Il l'a que... J'ai fait un bloc. Allez, info sur... Le truc, okay. Il est tellement... Tiens, prends ça, je vais le faire. Vas-y, je reste là, du coup. Lucien, prochaine info, s'il te plaît, Lucien. Je m'en occupe, ne crie pas dans le micro, s'il te plaît. Du coup, Martin en était à la 10. Non, à oui, la... on sait. Je me suis arrêté au Petit Café de Pays. Oui, exactement, la jam session. Affiche, les enfants. Alors, Art dans la rue, exposition à Gravigny. Donc, c'est du 8 octobre. À partir du 8 octobre, rue de la Paix à Gravigny. La rue de la Paix, les gars. Ouais. C'est laquelle? Celle qui descend de l'église. De quoi? Celle qui descend de l'église. C'est celle qui descend de l'église, donc ah oui, on peut le voir sur l'image, j'avais pas bien vu, c'est un peu loin pour moi. Vous savez, je suis bigleux, puis j'ai des lunettes nettoyées au Saint-Loup, donc c'est compliqué. Oh bah, oui, on reconnaît bien la rue là. Donc, rond-point de la mairie, la rue qui monte vers l'église. Donc c'est proposé par notre municipalité sur une idée de la palette gravignaise. Je ne connais pas. Donc ça doit être une association de peinture. Donc on a des petits exemples là sur le flyer, c'est assez sympa. Allez voir. Hein. De toute façon, c'est en extérieur, c'est gratuit. Allez-y, ça fait plaisir, ça fait la petite balade du dimanche. Et après le bon repas en famille, on est bon. Ok. Pardon, excusez-moi, depuis que je suis malade, j'ai mal à la gorge. C'est pas vrai. Donc atelier enfants-parents de 3 à 6 ans. Sur inscription, toujours. Donc ça, les enfants aussi, ça donne mal à la gorge, hein, ça fait crier. Rendez-vous au centre social du Cap Nord-Est, donc la Maison des Solidarités. Donc, on rappelle, hein, c'est derrière la mairie de Gravigny. Derrière l'ancienne mairie de Gravigny. Hein. Donc le samedi 8 octobre, de 10h30 à midi. De toute façon, c'est toujours de 10h30 à midi. Le samedi 22...
octobre et le samedi 19 novembre. C'est parfait. Au programme, bricolage, activité manuelle, activité artistique et plein de choses à découvrir. Artistique, j'avoue, et mécanique. J'avoue, sur la fin, j'ai nul. Soirée des années 40, ambiance militaire. Je suis parti là, c'est parti. Ils l'ont lancé. Hein. Vous avez vu, j'ai tendu le linge. Bon, vas-y. Non, parce vas-y, que sinon, vas-y, fais l'info et on fera le jeu après. Ah. T'entends ? De quoi ? T'entends ce bruit de lutin qui se balade ? Le lutin rouge. Le lutin Julien. Ok, ouais, je peux en faire deux autres si tu veux. Non, soirée années 40, ambiance militaire, samedi 22 octobre. J'ai lu à Gaulle, mais du coup... oui, c'est à Gaussiel. Voilà, donc ça a l'air sympa, hein, ça a l'air convivial. C'est le 22 octobre. Le 22 octobre, et effectivement. À 19h. Dîner d'ensemble animé par Force 5. Voilà. Il y a un kir. Tu bois du kir, toi ? Il y a boire. À boire ou je tue le chien ? À boire. Allez. Allez, un jeu, c'est parti. Le jeu. Je suis de bonne humeur ce soir. Tant mieux. L'entrée flagrante du chapeau rouge. L'entrée de Julien. C'est un peu compliqué parce que... Non, il en reste encore. Ah non, il y a encore... Julien, il y a encore des infos. Ah bah oui, il y a encore une page. De quoi ? Si, t'as pêché le x2. Non, mais c'est pas ton x2, le 2. Non. C'est quoi le x2 ? T'en as deux en même temps. Non, bah 2. Oh là. 2. Le 2. La question du 2. Attention, question 2. Tu as 5 secondes parce que c'est une question type CM2, ouais. Je crois. Début de la Seconde Guerre mondiale. 5, 4, 3, oui. 2, 1. C'est bon. J'ai oublié qu'il était vieux. Il est mort parce que... Ouais. Non, allez, sérieusement, allez, les foulées vertes, vous en parlez dans l'agenda de la mairie. C'est le 23 octobre prochain, donc il y a une course pour les enfants de 1,3 km, pour les jeunes de 3,3 km, pour les randonneurs 8,5 km et pour les seniors 14 km, donc ça fait quand même une très très belle randonnée. Donc venez nombreux, c'est rendez-vous à la maladrerie Saint-Nicolas à Gravigny. On a fait pas mal déjà d'animations. Oui, il y a eu d'ailleurs le concert la semaine dernière, en espérant que c'était sympa. Alors c'est quoi ça ? Ah, la marche rose ! Ah oui, bah oui, parce que octobre rose, hein, pour la Ligue contre le cancer. Donc le dimanche 9 octobre à 50 000, la marche rose familiale de 7 km sera organisée. On apprend toujours à Kipo Quiz. C'est exactement. Donc, non, c'est pas Kipo Quiz, c'est la WebTV Cap Nord. Je disparais. Je réapparais. Ok. Attends, je prends la deuxième feuille. Vas-y, prends la deuxième feuille. Alors, le tarif est de 5 € par personne. C'est pas si cher que ça. C'est avec la Ligue contre le... L'ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer. C'est départ à 9h au niveau du terrain de basket. Je ne sais pas où il est. Et à peu près à mi-chemin, il y aura une rencontre avec des poneys, des chevaux. Donc si vous voulez plus d'informations, vous avez un magnifique numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas à gauche. Le mieux, c'était 007 de l'autre fois. Voilà. Okay. On fait une troisième info. Pourquoi tu lances une feuille ? Parce qu'on a fini cette feuille-là. Elle est réutilisable, tu pouvais faire un avion avec. Okay. C'est pas grave, on fait l'autre info. Animation ado, sport et jeux à Gaussiel le mercredi mercredi, 5 octobre. Mercredi prochain. Mercredi prochain, exactement. Par notre ami Julien. Oui, c'est Julien. Le nain rouge. Le lutin rouge. Le lutin rouge, exactement. Du Père Noël. Non. bref. Au City Stade. 14h à 16h30 au City Stade de Gaussiel. Le club lecture. Allez les gars. Ouais, club lecture. Le même jour. Au petit café de pays. Ouais, mais c'est après. 17h30. Donc on peut aller faire du sport et lire un petit livre. Nickel. Pour goûter. Oui, si tu veux, c'est une bonne idée. Oui. Manger, c'est important. Voilà. Manger bien. Manger bien. bon, fini l'info, Lucien. Par rapport au club lecture. Oui, le 5 octobre, 17h30. Et venir raconter, enfin, présenter votre coup de cœur. Présenter votre coup de cœur et compter des passages de vos livres. Voilà. Est-ce qu'on en fait une petite troisième, la phonétique partie 2 ? La quatrième. Je vous remets dessus alors.
Ah, ouais, quand tu veux, si tu veux, vas-y, je fais phonétique. Enfin, vas-y, Lulu, fais phonétique. Phonétique partie 2, les 2, 3 et 4 novembre, pour ceux qui ont fait la partie 1, évidemment. Hein, pendant sinon, les vacances, hein, c'est la suite. Oui, exactement, sinon ça n'a pas de sens trop logique. Mais du coup, c'est super, donc venez. Puis je suppose que beaucoup ont aimé c'est la salle Gérard Philippe. La première. Si vous avez besoin d'un numéro de téléphone, il y est. Voilà. Et voilà. Je crois que c'est le numéro du PST. C'est un film. Ouais. Faut prévoir ce repas par contre. Hein. Le repas n'est pas fourni. D'ailleurs, j'ai faim. Moi aussi. Je passe pour. Oui, on a faim. Guillaume. Et non, Florentin, on va pas manger tes produits. Et si le nain rouge est changé de. De costume. C'est bon, j'arrive. Allez, okay, vas-y, okay. Julien, on t'attend. Ah, ça va, on est déjà. Il nous manque. Il nous reste à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 infos. Eh bah tiens, t'en fais 3, j'en fais 3. Attention. Là, c'est le dernier. Hein. Non, l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Ouais, après, c'est le dernier. 6. On l'a pas fait, je crois. Est-ce que tu connais le dessin animé Boulibille? Oh ouais, vite fait. La BD, peut-être. Ouais, c'est quoi la race du chien? T'as 5 secondes. 5. Oh, Florentin, t'as entendu là? Et la tortue, elle s'appelle Caroline. Ouais! Le prochain, il n'y a pas de question. Ouais, oh, c'est. Alors, ouais, c'est... salut, aujourd'hui, petit tuto maker. Alors, comment se coiffer? Donc là, j'ai ma ring light. Non, mais. Pour. Dégage! Pour allez, allez, bouge! Il y a les infos! Allez, info à Goville. Non, pousse, merci. Un atelier d'écriture, voilà, le deuxième lundi de chaque mois, de 14h à 17h. Le premier rendez-vous sera le 10 octobre prochain. Alors, qu'est-ce qu'un atelier d'écriture? Eh bien, vous ne savez pas ce que c'est. Vous apprenez à faire de l'orthographe, du français, de la grammaire, de la calligraphie, et aussi, vous apprenez à écrire. Ça, c'est classe. C'est un lieu où, du coup, on se rencontre. Enfin, bref, voilà, vous avez toutes les informations qui vous le disent. Un cours de guitare, voilà, l'association CL Musique vous propose un cours de guitare et basse pour tout âge d'initiation et de l'initiation au perfectionnement avec Christophe Lair qui vous accueillera les lundi, mardi et jeudi dans les locaux de la municipalité d'Aviron attenant à l'école. Donc c'est des cours hebdomadaires en présentiel, ponctuels de cours à distance également via WhatsApp ainsi que Skype. Et vous avez, du coup, le premier cours a déjà commencé, c'était le 5 octobre. Ouh là là. Donc, du coup, vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année et vous pouvez payer différemment. Les coordonnées sont inscrites en haut de votre écran. Un concours de dessin se fera pour Halloween au niveau... Oh, moi, je sais trop bien dessiner. Tu sais bien dessiner, bah, c'est ouais. Très bien parce que du coup, tu vas pouvoir l'exposer à Sassé. Ah bah, je vais le faire, je vais faire des un concours de dessin à Sassé par l'amicale Sacéenne. Et tu sais pourquoi mes dessins ils sont bien pour Halloween? Dis-moi pourquoi. Mais tout simplement parce qu'ils font peur. Waouh. Ils sont tellement mal dessinés. Voilà, donc c'est sur la participation des enfants. Alors par contre, je vois pas la suite, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu... Ah, okay. Non, il écrit que ça, il écrit concours de dessin Halloween. Et bah voilà, c'est pas les infos, il n'y a pas la concours suite. De dessin, c'est parti. Voilà, dessiner, c'est gagné. Exactement. Parce que les enfants, voilà, ils auront un cadeau. Julien, dernière fois qu'on te voit en train de souffrir. Alors par contre, il n'y a plus de questions parce que j'avais un problème de questions. Moi j'ai une question. Ces gars sont trop faciles pour toi. Si tu veux, moi j'ai une question. Dur. Ah, je sais pas s'il va savoir. Bah... Tiens un papier d'abord. Allez, tiens un papier. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Ok. Ça m'arrange bien parce que le 3, t'as intérêt à avoir une bonne question. Mais je sais pas quoi allez, prendre. Combien y a-t-il? Il connaît pas sa question. Non, parce que c'est un truc qui me vient comme ça. Ah, d'accord. Combien non, je sais pas. Ok, attends. Si, est-ce que tu connais bien le réseau de Transurbain? Oh, c'est... Non. Julien, est-ce que tu connais bien le réseau de Transurbain? Mais pose. Vas-y, pose. Si. Si tu veux, si tu veux. À quelle heure part le T5 de Modeste Leroy le soir de la semaine? Deux réponses. Tu as le choix entre. À combien de minutes près? Tu as le droit à 5 minutes près. À 5 minutes près? Ouais. Sans le retard. Ah, en retard. 18h15. C'est bon, t'es dans la marge. C'est 18h10 le départ. Martin! Je m'en serais pas douté qu'il aurait trouvé. J'aurais dû.
Alors du coup, il a sorti observation des oiseaux. Il nous a cassé la chute du décor. Avec le petit café de pays. Avec le petit café de pays. Du coup, sortie observation des oiseaux le 15 avec octobre Christian. À 8h. Hein, quoi? Avec Christian. Avec Christian, toujours le même Christian. Le nain où j'enlève son kawé. Info background, you know. Yes. Voilà. À partir de 8h. Enfin, c'est à 8h. Ah, c'est tôt, hein. Saint-Germain-des-Angles. Ah, apportez vos jumelles. Il y en a pour deux heures de balade. Et ça fait une belle balade, mine de rien. Bah, en plus, le matin, comme ça. À la fraîche. À la fraîche. Avec un bon petit déj, un petit kawa. Allez. Nickel. Atelier théâtre. Le lundi soir de 18h30 à Jouy-sur-Eure. Exactement, donc 18h30 à 20h. À la salle des fêtes de Jouy-sur-Eure. Rendez-vous le lundi sur place. J'ai pas eu le temps de finir. Voilà. Et faut appeler Julien si vous voulez des infos. Voilà. Nickel. Clip vidéo ado Boulet-Morin le 24, 25 et 26 octobre. Réalisation d'un clip sur le Boulet-Morin pour les ados de 10 à 17 ans. Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26. Donc je suppose que c'est pendant les vacances. Exactement. Ok. 14h, 16h30. Qu'est-ce que tu fais? Oui. RDB, rendez-vous devant la mairie. N'hésitez pas à amener vos idées. Les jeunes, hein. C'est les jeunes qu'on veut. Qui racontent ce qu'ils pensent de leur commune. Exactement. Il faut qu'ils racontent ce qu'ils pensent, s'ils veulent continuer à y vivre, ce qu'ils veulent y voir. On vous spoil un petit peu. Ça fait 3 fois qu'on fait l'édition. Et ça marche. Ça marche plutôt très bien, je crois. Oui, oui. Ça marche. On valide. Vous avez les traits. Vous voyez le trait de comment la planche était accrochée quand même. Du coup, je crois qu'on a fini les infos de ce soir. On a fini les infos. Dernière. Non, ouais. L'année dernière, c'était voté. Ouais. La fin de la fin. Bah là, il y a 50-50, les gars. Ouais. Le super mouette-mouette. Ouais. Bon, je vais te poser une question très très difficile, Julien. Je vais te poser une question. Sur 20 par quel non, là par contre, là, non, c'est vraiment une question très difficile. C'est impossible. Ah non, c'est vraiment une question très très compliquée. Attends, je remets le. J'ai parlé le micro, ça. Voilà, exactement. Julien, tu feras gaffe, tu marches sur tes chaussures. Bah, Martin, tu commences. Ah oui, mais là c'est citron. Le 11, j'ai tiré Martin. Le 11, oh punaise, c'est le jour de ma fête, le 11 novembre. Alors, Julien. N'hésitez pas à fêter la fête. Je te donne une fourchette, plus de 5 minutes, mais de 2 minutes. Fourchette de 2 minutes. Ouais. Oh non, pas une question de transurbain. Non, pas une question de transurbain. À quelle heure ai-je passé mon examen de conduite mercredi de cette semaine? Ça aura 2 minutes près. Non, il l'a pas dit. Eh non. 14h30 parce que t'as vu Chaton et qu'il y allait. C'est totalement faux, c'est 14h42. Oh là là. Non, c'est pas une vanne, je l'ai vraiment passé à 14h42. Non, pas lui, non, pas lui, t'es fou quoi. Allez, j'ai de l'huile de vidange. Alors si tu vois, on a de la moutarde. Ouais, fous-moi, vas-y. Tu veux pas de la moutarde? Mais reste là. Oh la vache. Ah, je reprends pas dans le studio. Bon. C'est bon. Julien, il s'est pris une face. Ils ont déconné. Allez, arrête. Julien s'est pris une face. C'était quoi, Florentin, mets-moi sur la caméra principale, s'il te plaît. Florentin, viens là. Florentin, il va manger. Voilà. Merci à tous de nous avoir regardés. On espère que cette émission vous a plu. On est désolé pour la durée qui est un peu longue. Hein. Je crois qu'on doit être à presque une demi-heure. On est à 34 minutes, voilà. Plus ça va, plus les émissions rallongent au fur et à mesure. Bref, voilà, plus je parle, plus c'est long. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon week-end et on vous retrouve vendredi prochain à 18h pétante pour le vendredi, c'est WebTV. Ciao. Bon week-end à tous.